Bonjour et bienvenue sur Xboy 204, les amis. Et ouais, ça fait 5 jours qu'on s'est pas vu depuis week. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu. J'ai vu pas mal de j'aime. Merci beaucoup, les amis. Je vois que vous me suivez. Ça fait vraiment plaisir. Pour des petits jeux en plus, voilà, des petits tests. Oula, bah attendez, je rame un peu. Pas méchant. Donc aujourd'hui, on va jouer avec la manette. On va jouer au jeu que je vous avais dit sur Mickey Mouse. Voilà. Donc un jeu. Plateforme, en fait j'y ai joué, parce que j'avais pas encore joué quand je vous en avais parlé, mais il n'y a pas que de la plateforme, en fait il y a aussi un peu de 3D, il est beau en plus, ça va, c'est un jeu un peu pas dégueulasse, c'est plaisant, donc ça risque de finalement ramer un peu, ça c'est à cause de la capture, parce qu'en vérité le jeu il rame pas du tout, si mon PC passe très bien. Êtes-vous sûr de vouloir écraser les données sauvegardées? Donc ouais, j'y ai joué, j'ai un peu avancé, mais on va recommencer exprès pour vous. C'est en anglais. C'est en anglais. Donc aussi, je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai... Enfin, d'un grand jeu. En attendant, je laisse ça. On va le passer après, on va pas tout laisser, je pense. Un jeu que vous connaissez bien, évidemment, mais c'est le premier, du coup. Donc j'en ferai un genre de vidéo détente aussi, parce que pour le premier, voilà, Syndicate est sorti. Là, ça doit vous donner un petit indice. J'ai Assassin's Creed 1. Pour être franc avec vous, c'est parce que voilà mon PC, voilà, il n'est pas hyper puissant, c'est l'un des seuls qui doit... Je pense que ouais, c'est le seul qui passe en fait, honnêtement, Assassin's Creed. J'ai des jeux bien qui passent, hein, voilà, Minecraft, tout ça, j'ai plein de jeux, mais mon PC n'est pas assez puissant pour faire passer Assassin's Creed, c'est assez conséquent. Et même le premier, finalement, encore aujourd'hui, même s'il date maintenant d'un moment, ça me fait bizarre d'y rejouer. Parce que j'ai la Xbox, donc moi j'ai joué au dernier et tout. Ça fait bizarre d'y rejouer, ça faisait des années que j'ai pas joué. Mais sur PC, il n'y a que lui qui passe, entre guillemets. Peut-être le 2 maxi ou le 3. Mais voilà, lui il passe. Et finalement, il a pas mal vieilli hein, le dernier. Et ça va encore, hein. Il est pas moche encore aujourd'hui. Hein. Ça va, hein. Quand même, le premier il est pas. Ça va, ça gère. Mais bon, je vais peut-être en faire une vidéo. Si vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo Assassin's Creed. Voilà, du premier. Hein. Évidemment, ça sera pas le dernier, je suis désolé. Un jour, ça sera le prochain, parce qu'en ce moment, je suis en train d'économiser beaucoup pour investir dans un nouveau PC, en fait. Dans du matos. Faire mon propre PC. Acheter une nouvelle carte graphique, de nouvelles RAM, une nouvelle carte mère, faire un nouveau PC. Je suis en train d'économiser jusqu'à 600 euros pour me faire un bon PC. Donc plus tard, je ferai des vidéos sur... J'achèterai Syndicate ou Unity, ou les deux, enfin, on verra. Parce que bon, ça coûte bonbon, quand même, Assassin's Creed. Là, le dernier, le premier, ça va, quoi. Donc... Voilà, vous me dites si vous voulez que j'en fasse aussi une petite vidéo détente sur Assassin's Creed 1. Ça vous pourrait vous faire plaisir, ça vous rappellerait des choses, hein, des nostalgies. Donc voilà, nous sommes Mickey. Donc je joue avec la manette. J'avais pas encore joué avec la manette en fait. Pour être avec vous, j'ai joué qu'avec le clavier. Donc bon, bah, c'est une première. Mais on peut y jouer avec la manette parce que c'est pas vraiment un jeu PC de base. Hein. Alors c'est un jeu PC comme tout. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa. C'est. Voilà, c'est... Vous vous rappelez, on avait fait Rayman Origins, je préfère carrément plus Rayman Origins, c'est mon jeu de plateforme préféré avec Rayman Legend. Bon, après, il y a Mario, mais honnêtement, Rayman Origins, vous vous rappelez, hein, il est excellent ce jeu, je kiffe Rayman Origins, c'est vraiment les graphismes et tout. Mais ce jeu, voilà, c'est un petit jeu, l'univers Disney, Mickey, voilà, c'est enfantin, ça rien, voilà, c'est franchement... c'est au moins de 7 ans, je crois, le jeu, mais, vous voyez, regardez, hop, il n'y a pas que de la plateforme. Ça fait un peu, c'est un petit peu Mario 64 Mickey, vous voyez. Donc comme je vous ai dit, je vais pas vous refaire un speech sur Walt Disney, c'est pas le but aujourd'hui, c'est juste histoire de se détendre sur un jeu. Donc c'est en anglais, je lis pas, on n'a pas le temps, voilà, c'est pour se détendre, on s'en fout de l'histoire. Voilà, on va juste vous montrer un peu. Donc vous voyez, il est pas moche, il est plutôt beau, je trouve. Il a un côté cartoonesque, bah Disney, quoi. Moi j'aime bien. Moi honnêtement, ce jeu, j'aime beaucoup. Or c'est pas le jeu auquel j'ai joué beaucoup ces derniers jours, surtout Assassin's Creed 1 là en ce moment. Bah ah oui, effectivement oui, il faut d'abord que j'ai oublié. Mais... Vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment à la Mario 64, il y a vraiment un très gros clin d'œil à Mario 64. Vous êtes dans un château, vous faites les mondes, vous voyez, vous rappelez dans Mario 64 on passait dans les tableaux pour aller dans les mondes genre Bobombe et tout. Là c'est exactement pareil, vous voyez, c'est vraiment, c'est Mario 64 Mickey Disney, vous voyez. Mais c'est intéressant, puis il est plus récent, celui-là quand même. La forêt enchantée, Mickey peut rebondir sur... Mince, bon, tant pis. Mais bon, il peut rebondir sur les gens, sur les méchants. Dis oh, champignon. Aïe. Mais ta mère. Vous voyez, l'univers, tout est sympa, je trouve. Moi, je... Alors, j'ai un peu de retard avec la capture d'écran.
qu'honnêtement, la musique ça va, l'ambiance elle est bien, honnêtement. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit jeu de plateforme entre guillemets, Mickey. Voilà, si vous voulez me procurer, c'est Castle of Illusion. Voilà, j'ai oublié, depuis le début qu'on a commencé, je vous ai même pas dit le titre, vous voyez, ça fait 5 minutes. C'est. Ah ouais. C'est Castle of Illusion. Et il est pas si facile que ça, ça paraît pas comme ça, on dirait un jeu enfantin. Honnêtement, il y a des niveaux, j'ai galéré, hein. Je vous le dis tout de suite, je galérerai toujours d'ailleurs avant de faire la vidéo. Honnêtement, je vous le dis, il y a des niveaux où on galère. Voilà. Au début, c'est facile, là, c'est un peu le tuto. Mais après, vous verrez, il y a des niveaux. Bon, la vidéo va pas durer 30 minutes, hein. On va pas faire 30 minutes de vidéo sur un jeu comme ça. J'ai eu peur. Sur un jeu comme ça, vous voyez. C'est histoire de. Non, non! Oh non, je retourne dedans. Pas besoin de refaire le même. Donc vous voyez, faut récolter des pommes pour pouvoir tirer sur les gens. Les diamants, ça vous servira à ouvrir les portes dans le château. Et les têtes de Mickey en or là, c'est pour. Oups, on peut se baisser. C'est pour. Je ne sais plus trop quoi. Et les étoiles, c'est pour la vie. C'est les. Le rajouter. Mais du coup, voilà. Donc, comment allez-vous? Sinon, à part ça. Donc, j'ai vu que j'avais encore augmenté en abonnés. Incroyable, franchement. Ça me fait bizarre. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas comment vous dire. Je vous remercie, franchement, du fond du cœur. Voilà. Honnêtement, on est à deux doigts d'atteindre les 100. Franchement, je. Merci beaucoup. Franchement, je. Oula. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Vous êtes beaucoup à me suivre maintenant. Et ça me fait drôle parce qu'au début, voilà, c'était un peu dur dans les débuts de décoller. Mais là, ça y est, ça part pas trop mal. Hein, on veut dire. Ça prend son temps. Mais voilà, grâce à vous, vous êtes là. C'est grâce à vous tout ça. C'est grâce. C'est pas moi en fait, c'est vous. Ah putain, j'avais laissé ma souris devant depuis le début. Je suis désolé, les amis. Je pouvais la décaler en plus. Voilà, donc on passe en dessous, je vais finir par y arriver, cette mission je l'avais faite en 3 secondes. Oh non, il faut une autre feuille. Allez, hop. Hey. On va arrêter de se péter la gueule, on va essayer de se concentrer. Et des fois il est pas si. Ah non. Ah ta mère. Ah mais attends, c'est une araignée que. Oui, je l'avais déjà vu ce personnage. Cette araignée là, elle est dans un vieux dessin animé, je l'avais en cassette à l'époque, cassette. C'est des araignées, ouais, la gueule des araignées, toi. Mais c'est dans. Je sais plus quel dessin animé, c'était avec. C'était Mickey et c'était un. Bon, je m'en casse. C'était un vieux dessin animé Disney. De Mickey. Vous savez, les petits épisodes de Mickey là, avec les premières aventures de Mickey, vous voyez, dans les années 40 et tout. Oh putain! Et ben. Mais, oh mais c'est bon là! Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu me casses le coude. J'ai plus que 2 étoiles là, à cause de sa gueule. Alors, Et ouais, ces araignées là, je me rappelle, on la voit dans un des épisodes. Il y a plein de clins d'œil comme ça. Intéressant. Ah oui, regardez, un petit clin d'œil et Diana Jones carrément. Faut sauter par-dessus les bouts de bois. Putain, faut pas se péter la gueule. Attention. Donc je vais pas vous raconter ma vie, mais moi ce week-end j'ai une soirée assez énorme. Demain, parce qu'on est vendredi. Et j'ai une soirée assez conséquente demain.
ça risque de piquer un peu la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là. Putain, maman, j'en ai marre. Pour un jeu comme ça, merde, je sais jouer à Assassin's Creed et tout. Mais je sais pas jouer à Mickey. C'est cool, hein. Ah, intéressant, intéressant. Donc, comme je vous disais, parenthèse, je suis toujours en train de réfléchir à comment je vais tourner Assassin's Creed. Non, je dis des conneries. Le prochain Parlons Comics, que je vous avais dit lundi dans la dernière vidéo. Je suis toujours en train de préparer cela. Ah ouais, il est marrant ce niveau. Ça va être dur. Ça va pas être simple. Franchement, je vous dis, je vous prévois un de ces épisodes là. De toute façon, la vidéo, je vous avais dit, elle va pas durer longtemps. Maxi 15 minutes, dans 5 minutes, on va pouvoir... C'est histoire de, voilà, j'aime bien être avec vous. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça avec vous. Détente, tranquille, on peut parler de ce qu'on veut. Et en même temps du jeu que nous sommes en train de tester. Là, on est sur des fantômes. Une étoile. Et du coup... Voilà, donc j'ai vu que le petit jeu Wick, la dernière fois, vous avez fort plu. J'en suis très honoré. Oh là, putain. Je suis content. Ah non, lui, c'est un fouteur de merde. Oh, c'est génial, ça. T'as vu? Alors. Ouah, non. Ouah, non. Ah, non. Ah, non. Ah, non, 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 non. Allez. Waouh, 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 waouh. Allez hop, on y va. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, c'est machin Mickey Mouse ou l'inverse, je sais plus, mais Castle of Illusion. Voilà, si vous voulez vous procurer. Alors là, faut pas monter sur le rouge, hein, on n'est pas con non plus. Je sais pas si c'est un clin d'œil à la maison hantée de Disneyland, l'attraction. D'ailleurs, je vais vous rappeler, donc du coup, vous avez vu, Disneyland, j'y suis retourné cet hiver. Et c'est vrai que ça commence à se faire vieux, phare qui rénove un peu, je pense, parce que c'est vrai que c'est, il est énorme. C'est l'un de mes manèges préférés, honnêtement, un manège calme préféré. La maison hantée, non ! La maison hantée, c'est l'un de mes manèges calmes préférés. J'ai toujours bien aimé la maison hantée. Hein? Ah, faut pas rester dessus trop longtemps. Oh non, mais j'ai bientôt plus d'étoiles, moi. Foiré. Ouais, c'est l'un de mes manèges. Honnêtement, j'adore beaucoup ce... Ah, c'est la sorcière de Blanche-Neige et les Sept Nains. Des petits clins d'œil comme ça, j'aime bien. Donc... Oh putain. Comment dire? Voilà, mais les effets spéciaux dedans commencent à se faire vieux. Hein. Quand vous voyez le robot qui est là. Merde. Vous voyez? C'est des espèces d'animatroniques, un peu comme pour Pirates des Caraïbes. Par contre, lui, il a pas vieilli. Lui, il est vraiment excellent. Puis les descentes, pff, excellent. Mais la maison hantée. Toujours des bons effets spéciaux au niveau, je sais pas, les apparitions de fantômes et tout, ça c'est bien fait. Mais les robots en fait, c'est surtout les robots en fait qui se font vieux. Parce que la suite, ça va. La suite, honnêtement, ils ont du potentiel. Mais voilà, ça commence un petit peu à dater, hein, légèrement. Hein. On va pas se cacher, ça commence un peu à faire. À avoir de la bouteille, on va dire. Clairement. Mais putain, je me rappelle plus comment j'avais fait d'ailleurs. Mais sinon, honnêtement, la maison hantée. Allez bien, moi franchement je kiffe vraiment la maison hantée. J'ai toujours bien aimé ce manège. J'ai toujours fait presque en premier à chaque fois qu'on arrive à Disney. C'est tout le temps presque le premier qu'on fait. Bon bah, après c'est le plus facile à accéder en premier. Mais voilà, je sais pas si vous l'avez fait, parce que je connais des gens qui sont jamais allés à Disneyland. Peut-être que vous n'y êtes jamais allé, c'est possible. Je vous conseille d'y aller, honnêtement. Mais bon. Ah oui, donc ça c'est un boss. Un arbre trop casse-couille. Et si ce jeu est destiné aux enfants, il n'est pas si simple à battre. Hein. Moi ça va, hein. Voilà, c'est pas non plus la mort, mais j'ai fait pire. Mais vous voyez, ça va encore. Là, voilà, ça se fait.
Là faut éviter les putains de glands, faut lui sauter sur sa gueule de con. Donc ça va, encore c'est un peu à la Mario, vous voyez, hein, c'est ça fait un peu boss de fin de Mario 64. Les noix faut les vous voyez. Et je vais perdre toute ma vie. Alors, nous revoilà, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause parce que j'ai eu un petit empêchement. Pas bien méchant. Fou, je vais mourir là, je vais devoir recommencer parce que j'ai été déconcentré, c'est pour cela. Oui, en plus il en manque. Ah, j'avais oublié qu'il faisait ça. Donc, on va devoir reprendre. C'est cool. Mais de toute façon, là, on va bientôt arrêter la vidéo, les amis. Je suis désolé. Parce que bon, on a atteint un peu plus de 15 minutes. Et bon, voilà, on va pas passer 15 minutes sur un jeu comme cela. Mais bon, voilà, c'est histoire de me détendre avec vous. J'avais envie. Un petit jeu, comme Wick l'autre fois. C'est sympa. J'aime bien passer du temps avec vous sur des petits jeux comme ça. Pas besoin de faire des grosses vidéos non plus, vous voyez. La prochaine grosse vidéo, ça sera Parlons Comics. Qui va être important, très dur à produire, parce qu'en plus je vais parler d'un héros, je vous ai dit, comme je vous ai dit l'autre fois, je vous ai dit l'indice, incontournable. Et niveau production, il va y avoir de la post-prod, je vous le dis. J'avais déjà commencé, mais alors... Oh putain, il m'a éclaté la gueule, fils de pute. Hop là. Nick, bon, il me reste 3 étoiles, c'est moyen. Oh putain, à chaque fois il m'écrase la gueule, fils de pute. Allez. Tronc d'arbre de merde. Il va me foncer dedans là. Ouah. Bien où ai-je ? Hop. Eh ben on a fini un niveau, logiquement, pile au bon moment, on va pouvoir se quitter les amis. Voilà, donc même si c'est pas tout à fait fini, vous voyez un peu, voilà, c'est bon. Donc, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu de refaire une petite vidéo avec vous comme ça, de temps en temps. La prochaine, ça sera peut-être sur un jeu que j'ai aussi, c'est Sol 0 Mars. Je crois le nom, Civilisation. Je crois que c'est ça. C'est un jeu de gestion sur Mars qui est super intéressant. Qui est pas bien grand, hein. Il manque pas de grosses ressources, mais il est vraiment intéressant. Il est assez dur à jouer. Je suis encore en train de regarder des tutos, la raison pour laquelle j'aurais pas fait de vidéo maintenant. Mais voilà, je commence à m'y habituer. C'est un bon jeu. Je ferai bien cette petite vidéo la prochaine fois sur ça. En attendant de préparer, évidemment, Parlons Comics, ça va être la prochaine grande vidéo. Peut-être qu'il y aura entre deux une autre grande vidéo comme genre Grande Guerre ou White Knight. Mais voilà, sinon ça va être des petites vidéos détente en ce moment, ou des vlogs. Mais pour l'instant, voilà, je prévois des petites vidéos. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que ce jeu Mickey vous aura intéressé. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez. Il est sur Steam, si je ne m'abuse. Vraiment intéressant. Beau. Ça détend. Voilà, c'est un petit jeu super sympa de Disney. Sur les aventures de Mickey. Voilà, avec des petits clins d'œil en plus. Donc c'est vraiment intéressant. Donc à plus tard pour une prochaine vidéo, les amis. Bon week-end tout le monde, à plus.